Et on se donne rendez-vous désormais au Ras du Quesnay. Deuxième étape de notre route ce samedi. Toujours avec notre sponsor DJS Bloodstock, c'est David Sherlock qui transporte vos juments en Angleterre, en Irlande, à des tarifs préférentiels, bien sûr. Nous sommes en compagnie de Crickethead. Bonjour Cricket, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci d'être venu. Extra, on est très bien accueillis comme à chaque fois. Et on va parler d'un télo qu'on voit sous nos yeux, un télo vainqueur du Jockey Club. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ces premiers deux ans sont à l'entraînement en 2017, c'est ça? Oui, tout à fait. Il a eu ses premiers yearlings en 2016 aux ventes. Il a très bien réussi. Les chevaux se sont très bien vendus, que ce soit en France ou en Angleterre. Et le cheval a ses premiers deux ans à l'entraînement. Et les gens sont très satisfaits, donc c'est le principal. Vous-même, vous en avez des chevaux, des fils ou des filles d'un télo? Absolument, oui. J'ai un mâle et une pouliche d'un télo qui sont très bien. Je les aime beaucoup. Bon, c'est trop tôt encore aujourd'hui pour vous dire ce que ça va donner. Mais ils sont très beaux physiquement, ils ont très bon caractère, ils sont très faciles. Donc pour les entraîneurs, ça va être le travail est beaucoup plus facile. Encore mieux. Et physiquement, ils se ressemblent ? Physiquement, ils ressemblent au père ? Oui, il marque énormément sa progéniture. C'est un cheval qui fait des chevaux qui sont très beaux comme lui d'ailleurs, avec un très bon caractère. Et moi, j'aime beaucoup. Merci. On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Cricket. Merci beaucoup. Donc, un télo, l'un des étalons le plus cher du Ras du Quesnay. Il fait la monte à 25 000 euros la saillie, remboursable au 1er octobre, payable au 1er octobre et remboursable si évidemment il n'y a pas de produit. Venez, on va se réchauffer un petit peu parce que là, évidemment, on fait les malins, évidemment, on n'a pas froid, mais je vous rappelle, il fait quand même moins 10 degrés. Et donc, on va se réchauffer avec un petit café ou avec une petite soupe, monsieur. Pardon, je vous coupe deux minutes. Il y a des soupes, c'est ça, de disponibles ? Oui. Ouais, on peut en avoir une ? Ouais. C'est pour les vieux. Ah d'accord, la soupe c'est pour les vieux. Bah on va... Bah non, alors du coup, non. Mais non, bah non. Merci, boss. Bah non, en fait, non. Non, bah non, on est jeunes, nous, on est jeunes. Bon, pas de soupe.